Tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant, c'est qu'il ne faut faire confiance à personne. Surtout pas à la cellule antiterroriste. Salut collègue. Salut Nick. Quoi, on est en période de crise là? Alors aujourd'hui, un agent du BDE s'est fait kidnapper et des indépendantistes vous retournent, préparent un mauvais coup. Votre gouvernement a moins de 24 heures pour nous répondre. Sinon, il sera responsable des morts qui s'ajouteront à ceux de ce matin. Non, ce que je comprends pas, c'est que tu sois tombé dedans. Ça risque rien, c'est bio, c'est mon cousin qui fabrique. C'est fini! Bordel, t'es qui toi? Mais c'est pas lui que j'ai capturé! Quoi, mais c'est pas lui? Mais non! Laisse-le, celui-là! Jacques, c'est un bon, un mec clean. On la lui fait pas. Merci, Nick. Mais je reste quand même un peu inquiète. Aide-moi à le transporter jusqu'à l'entrepôt. Et après, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ce contretemps ne devrait pas te poser trop de problèmes. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, vous allez pas commencer, hein. Je suis stressée, d'accord? Et quand je suis stressée, je déplace les meubles. Bon, votre bureau est là. Vous étiez passé où? Dans la salle, juste à côté. La salle multifonction? La salle multifonction? Oui, et bien la salle de pause qui fait aussi salle des serveurs et salle d'interrogatoire. Mais vous savez, avec le peu d'argent qu'on nous accorde, on est obligé de tout centraliser. Et puis Rick, c'est la dernière fois que je tolère un retard de votre part, c'est compris? Moi, madame, c'est Nick. Oh, Rick, Nick, Pierre-Alexandre, c'est la même chose, tout ça. Et arrêtez de jouer sur les phrases. Sur les... Et vous, Gertrude, arrêtez avec vos têtes de merlin frites, là. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que vous avez tous ce matin? Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fout? Jacques aurait dû m'appeler, c'est pas normal. Bon, on arrête maintenant. On se reprend et on reste positif. Tout va bien. Personne n'est dans la merde, ok? Jacques va appeler, votre téléphone va sans doute sonner dans moins de 5 secondes. Bon ok, ça a duré un peu plus de 5 secondes. Roland! Bon ok, c'est pas Jacques. Quoi? Jacques s'est fait capturer! Bon ok, on est dans la merde. Ils nous sont tombés dessus par surprise! On n'a rien compris et je crois que le Guenec est mort. Et c'est pas tout. Je crois qu'il va se passer quelque chose de terrible dans la matinée. Quelque chose de terrible? C'est-à-dire? Nous avons découvert un message des terroristes. Je crois qu'ils préparent une attaque massive. Vous croyez qu'ils préparent ou vous êtes sûr qu'ils préparent? J'en suis sûr. Enfin, je crois. Très bien, calmez-vous, Roland! Écoutez-moi. Vous allez devoir éliminer les terroristes et libérer l'agent Jacques Doué. Pour ça, je dois savoir si vous vous en sentez capable. Capable? Capable. Capable? Capable. Capable. Oui. Si vous me laissez faire à ma manière, il n'y aura aucun problème. Mais il faut m'en donner l'ordre. Je vous donne l'ordre d'éliminer les terroristes et de libérer l'agent Jacques Doué. Les éliminer? Non mais attendez, il faut d'abord qu'on sache ce qu'ils préparent. Ils sont peut-être les seuls à pouvoir empêcher ce qui va arriver. Oh putain, oui. Vous n'êtes pas si bon que ça, vous. Bon, très bien, Roland. Ramenez-en ici et on l'interrogera. Vous m'envoyez pas de renfort? Coupure budgétaire. Soyez prudent, Roland. Hello, Shore. Réveille-toi. Ah bah enfin. Ils sont où? Ils sont où? Où sont mes 250 soldats, Charmeville? Tous morts. Tous? Tous. Bon alors, vous voulez quoi, vous, au final, hein? Du pognon? Du pouvoir? Vous voulez vous venger de je ne sais quelle ignominie que la France vous a faite, c'est ça? Oh, je sais. Quand t'étais petite, on t'a fait courir dans ton école avec une pancarte « Je suis une idiote » pour t'empêcher de parler breton. Ta gueule! Ta gueule! Oh. Fais gaffe, sale drogué.
pour jouer. T'as toujours pas répondu à ma question. Ce qu'on veut ? Ce qu'on veut ? Mais tu vois pas que ce putain de pays nous bouffe ? C'est toute la culture bretonne qui disparaît, ravagée par votre capitalisme puant ! Nous ne sommes plus que l'ombre de nous-mêmes, et tout le monde s'en fout. Mais ça va changer. Dans 20 minutes, plus personne ne pourra nous ignorer. Afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Oh, et c'est le seul moyen que vous avez trouvé pour sauvegarder votre culture bretonne ? Hein ? Vous allez jusqu'à buter un breton pur souche sans aucun état d'âme ! Et baïonner sa compatriote pour la foutre dans le coffre de sa voiture ! Savoir des états d'âme, ça ? Yann était un traître à sa patrie. Il ne partageait pas nos idéaux. Lui, ce qu'il voulait, c'était devenir un grand agent français. Il voulait pas sortir du système. Il voulait y plonger aveuglément. Je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Il avait déjà flairé qu'on préparait quelque chose. Alors c'est toi l'agent kidnappé du BDE. T'as bien réussi ton coup. La cellule ne se doute même pas... La cellule ? Mais ta bonne petite CAT est mouillée comme une femme de marin le jour où il accoste. T'es tout seul, Doué. C'est ridicule. Aussi ridicule qu'un agent qui vient de se faire épiler le nez. Dire que c'est moi... Non, reste tranquille. Dire que c'est moi qui vais avoir le privilège de tuer le célèbre Jacques Doué. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les... Robert, c'est bon, laisse-le en dehors de ça, lui fais pas de mal. Faire du mal à un cheval en rite ? Pourquoi je ferais ça ? Grand peur ! J'ai l'impression qu'il est blessé. Bouge pas ! Bah non. Oh ! Allez hop hop hop, on arrête tout. Je libère Jacques, et vous venez avec moi. Bien joué, Roland. Putain, j'ai rien compris. Allez, tu vas aller t'asseoir à côté de ton ami. Tu remarqueras que c'était le bon moment pour placer un « ce n'est pas mon ami », ce que je n'ai pas fait. Tu sais quoi ? Quoi ? J'espère que t'as... Oh, et puis... Oui ! Vas-y ! Détache-moi vite, il faut que je la rattrape.